François Bayrou, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Salon des Entrepreneurs. Alors, je vais vous interroger en compagnie de mes confrères Jean-Jérôme Berthelus d'Itélé et Marc Ledazy du Parisien. Alors d'abord, avec des questions que nous avons posées, demandées à des entrepreneurs, et Marc Ledazy pose la première question. Alors, la question qui les intéresse le plus, c'est comment allez-vous faire pour diminuer les charges des entreprises ? Ce n'est pas une surprise, mais voilà, c'est leur préoccupation majeure. Bon, la question des charges des entreprises, c'est une question réelle et large, parce que d'habitude, on ne parle que du coût du travail. Et selon moi, ce n'est pas principalement dans le coût du travail, ou en tout cas, il n'est pas possible de baisser brutalement le coût du travail, comme on le voudrait pour obtenir un effet sensible. Par exemple, TVA sociale, ça va baisser le coût du travail de 2%, au mieux, quelque chose de cet ordre. Et encore, je ne suis pas sûr qu'on y arrive. Et vous voyez bien, tous les entrepreneurs qui vous entourent, que baisser le coût du travail de 2%, ce n'est pas sensible sur le prix du produit, donc ce n'est pas sensible sur le marché. En revanche, vous savez que je défends pour les petites entreprises de moins de 50 une idée qui, elle, est opératoire pour beaucoup de commerces, pour beaucoup d'artisanat, pour beaucoup de petites entreprises, qui est... un emploi sans charge, pourvu que ce soit un jeune qu'on embauche ou un chômeur qu'on embauche et qu'on n'ait pas supprimé de poste naturellement années précédentes. Alors la deuxième question ou le deuxième souci des entrepreneurs, c'est de savoir s'il faut un petit peu fluidifier le marché du travail. Cela veut dire à la fois rendre plus souple l'embauche, peut-être avec une question aussi sur le CDI, ce fameux CDI, et rendre également plus souple le licenciement. Alors moi, je suis certain que pour aider les entreprises, il faut rendre un certain nombre de choses plus souples. D'abord, il faut alléger les contraintes administratives paperassières, la montagne de documents qu'il faut perpétuellement remplir, et on a l'impression de remplir toujours les mêmes et de recommencer à perpétuité, alors qu'on sait qu'en réalité, si les administrations fouillaient, ou si, je ne sais pas quoi, les URSSAF fouillaient dans leurs archives, elles trouveraient sans difficulté, en croisant les données, le nombre d'informations qu'on demande et exige chaque jour. Donc, alléger les contraintes administratives. Le droit du travail. Est-ce qu'on on doit simplifier le droit fiscal et le droit du travail ? Parce que une petite entreprise, elle est incapable de se retrouver dans le labyrinthe quand vous avez une ou deux personnes qui travaillent à votre service DRH. C'est impossible, ou à la fiscalité. Alors que les grandes entreprises, évidemment, ont des escouades de services de relations humaines, de conseils en droit fiscal, de conseils en droit social. Alors, ça, c'est la... ça, c'est la deuxième chose. La troisième, je suis persuadé qu'il faut qu'on aille vers des dispositions différentes dans le droit du travail. Je suis persuadé qu'il y a trop de contrats de travail. Je suis persuadé qu'un certain nombre de ces contrats de travail sont trop à la fois aléatoires pour le salarié et dangereux pour l'entreprise. L'autre jour, je recevais un ensemble d'entreprises... qui touche à tout le secteur, à la fourniture du bâtiment. Et un de ceux qui produisent en France des éléments pour le bâtiment, il m'expliquait que chaque fois qu'il recrutait une personne, il provisionnait 70 000 euros pour le cas où un jour ça se passerait mal et où il serait obligé d'en venir à toutes les démarches. Et vous voyez bien que ce n'est pas raisonnable. Il y a quelque chose là qui ne va pas. Vous êtes pour un contrat unique ? Oui, moi, je suis pour un contrat unique. Alors, ce n'est pas facile à faire, je le reconnais. Et naturellement, ça ne touchera pas le passé. Il faut que toutes les personnes qui ont été recrutées dans le cadre d'un contrat donné, un contrat signé, c'est un contrat respecté. Mais je suis pour un contrat unique qui donnera à la fois plus de sécurité. J'étais... il y a deux semaines, je visitais les jardins de Versailles.
Il y a une équipe de jardiniers tout à fait formidable avec leur principal animateur qui est à la radio chaque semaine et qui parle des jardins magnifiquement, des arbres magnifiquement. Et il m'expliquait qu'ils avaient auprès d'eux un monsieur qui a 58 ou 59 ans, qui a eu une vie difficile, avec y compris des ennuis avec la justice et toutes ces choses-là. Il est réinséré. Il travaille avec eux. Il donne pleinement satisfaction. Mais ils sont obligés de le licencier tous les 9 mois et de le laisser au chômage 3 mois, je crois, simplement parce que les dispositions administratives interdisent qu'on puisse avoir une prolongation du contrat de travail sans titularisation. C'est absurde, c'est pas sérieux. On vit dans un monde où on accroît en permanence les difficultés des gens. Donc moi, je suis pour ce principe. Je ne compte pas le faire tout seul. Je pense qu'il faut en parler avec les partenaires sociaux, mais que précisément, une élection présidentielle, c'est le moment où le pays peut dire « arrêtez les bêtises ». Et j'ai failli employer un autre mot. Vous évoquiez tout à l'heure les grandes entreprises. Alors, une question qui remonte assez souvent, c'est qu'est-ce que vous comptez faire pour rétablir une certaine égalité de traitement en matière fiscale entre les petites entreprises et les grandes entreprises qui, alors, a priori, payent moins d'impôts. Permettez-moi de dire quelque chose qui ne va pas être habituel dans les déclarations. Je pense que les grandes entreprises que nous avons sont une chance pour la France. De toutes les visites que je fais, la maîtrise des process industriels, les brevets, la maîtrise de la numérisation, la maîtrise des automatisations, le fait d'avoir des circuits commerciaux très importants dans le monde. Tout ça, c'est un atout. Simplement, il faut que ça profite aussi à d'autres, et c'est pourquoi je soutiens l'idée que vous avez vue hier d'une incitation forte à la mise en réseau des PME avec les grandes entreprises pour bénéficier de ces technologies que les grandes entreprises et de ces atouts que les grandes entreprises ont. Deuxièmement, j'ai oublié la question, mais vous allez rappeler. C'était sur l'égalité de traitement en matière fiscale. Simplement, il faut qu'il y ait égalité de traitement, notamment fiscale, parce que les chiffres, je ne sais pas s'ils sont vrais, je me méfie toujours des statistiques, disent que les PME sont soumises 3 ou 4 fois plus à des contraintes fiscales que les grandes entreprises. Simplement parce qu'il y a probablement des délocalisations de rentrée de ressources, parce qu'il y a une meilleure habitude de se débrouiller dans le droit fiscal, dans le fait qu'il y a un certain nombre de niches qui ont été faites pour elles. Et moi, je fixe un principe, c'est égalité devant l'impôt. Égalité devant l'impôt entre grandes et petites entreprises. Et il n'y a aucune raison d'accepter implicitement qu'il y ait un traitement de faveur pour les plus gros. Pas de taux d'imposition différent selon la taille de l'entreprise, comme le souhaite François Hollande. Bon, si c'était possible, c'est à envisager. Mais je ne crois pas que le temps soit à réduire les rentrées fiscales. On est un pays. Vous préférez agir sur les charges sociales en ce qui concerne les petites entreprises. On est un pays, il faut voir ça, hein, on est un pays qui est plombé et même coulé par un déficit de l'État, de la dépense publique, qui est le plus important de tous les pays qui nous entourent à même niveau, et contre lequel, pour ainsi dire, on a peu agi. On a accepté qu'il s'aggrave. Un pays qui accepte d'avoir 100 milliards de déficit, c'est-à-dire 30% de son budget, parce qu'on dit toujours 5%, mais non, c'est 30% du budget de l'État qui est en déficit. Comment voulez-vous que ça tienne? Est-ce qu'on peut accepter longtemps qu'on en parle tout le reste du temps, mais en campagne électorale, c'est fini? Plus personne. On a l'impression d'une espèce de tête de linotte, y compris des médias, je dis ça gentiment, hein, sans agressivité. Tête de linotte. On avait hier, écoutez, jusqu'il y a 3 semaines, avec la perte de la notation de la France, tout le monde avait le sentiment que fallait tout de même qu'on en parle. Or, on n'en parle pas,
Et les deux principaux, enfin réputés principaux candidats, tous les deux annoncent des dépenses, et en tout cas, pour même Nicolas Sarkozy a dit, plus question de faire des économies. Mais dans quel monde on vit? Si on veut avoir une élection présidentielle qui soit un vrai changement, le premier changement, c'est qu'il doit se faire autour de la vérité du langage dû par les candidats aux citoyens. Alors, avant de revenir sur ce que vous avez dit, la dernière question qui est remontée des entrepreneurs qui souhaitent vous poser, je la résume, hein, ça porte sur les délocalisations, la protection des entreprises françaises. Est-ce que vous êtes pour l'instauration d'une dose de protectionnisme dans votre programme? Alors, je demande qu'on réfléchisse bien aux choses. Protectionnisme, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on impose aux autres des contraintes qu'on refuse soi-même. Par exemple, on met des droits à l'entrée, mais soi-même, on ne paie pas de droits. Le protectionnisme, chaque fois qu'il a été mis en place, il a abouti au contraire de ce qu'on voulait. Mais, pour autant, je ne veux pas être naïf. Et moi, ce que je demande, c'est que les mêmes contraintes soient imposées aux producteurs concurrents et aux producteurs nationaux, aux producteurs extra-européens et aux producteurs européens. Je vais prendre un exemple très simple. Lorsqu'on vous impose des contraintes environnementales extrêmement fortes, on le fait, pourquoi? Et c'est à juste titre, pour protéger la santé des citoyens de la planète. Alors comment vous pouvez accepter qu'en Chine, il n'y ait aucune contrainte environnementale? Je lisais l'autre jour un reportage tout à fait impressionnant sur un site internet sur la manière dont on fabrique les panneaux photovoltaïques en Chine. C'est dégueulasse. C'est une pollution perpétuelle, gravissime et assumée. Mais si ça pollue la planète en Chine, ça pollue la planète chez nous. Je veux dire, il n'y a pas de localisation de la pollution. Et donc, ce que je demande, c'est la réciprocité et la loyauté dans les échanges. Si nous jugeons, je ne parle pas en matière sociale, là, parce que je comprends très bien qu'un pays en développement, il fasse des efforts, y compris en n'ayant pas le niveau de vie des pays. Ça, je comprends. Mais en matière environnementale, si la santé est en jeu de la planète, ben, c'est aussi grave par la pollution en Chine que par la pollution chez nous. Et je demande donc, pour apporter une réponse précise, qu'on exige le respect des normes sur les produits et pas sur les producteurs européens uniquement. Et pas via une taxe carbone, par exemple, sur les produits importés. Et vous voyez bien que ça n'est pas du tout la même chose que le protectionnisme. Le protectionnisme, ça veut dire je bloque, et ce que j'exige, moi, c'est au contraire, j'ouvre, nous sommes ouverts à condition que les règles imposées aux nôtres soit aussi respecté par les autres. Dans le sens inverse, si un constructeur français, un constructeur automobile par exemple, vous annonce que les prochains modèles vont être construits en Asie, au Maghreb, etc., qu'est-ce que vous lui dites? Je lui expliquerai qu'il se trompe, et autant que je pourrai, j'essaierai de le dissuader. Je comprends très bien qu'on introduise dans un modèle monté en France des pièces, des éléments, pour abaisser son prix, qui soient des pièces et des éléments produits dans des pays à plus bas coût. Je le comprends. Mais gardez le modèle et gardez le montage. Gardez le produit. Ce que l'Allemagne a fait, je ne vais pas moi aussi me mettre à invoquer l'Allemagne à chaque discours. Pourtant, je pense qu'il y a des exemples et qu'il faut y réfléchir. Mais ce que l'Allemagne a fait, elle a gardé les produits. Elle a gardé la réflexion, le design, la recherche, le montage final. Elle a conservé le produit, même si elle a délocalisé une partie des éléments du produit. Et cette politique de conserver le produit final, je pense que c'est une politique excellente. Alors naturellement, je sais bien que quand vous allez vendre des voitures pour la Chine, il faut aller produire en Chine. On ne va pas avoir la bêtise de croire qu'on peut tout produire chez nous. Il faut évidemment avoir un lien avec le territoire sur lequel vous vendez. Mais au moins, si vous vendez en France et en Europe, gardez des usines en France et en Europe. Alors, je reviens sur une des propositions que vous avez faites hier, le zéro charge pour l'emploi d'un jeune. C'est une mesure qu'on a déjà... Un jeune ou un chômeur. C'est une mesure qu'on a déjà tentée, pour le dire simplement,
la plupart du temps, ça se limite à un effet d'aubaine pour les employeurs. Ils recrutent des gens qu'ils auraient de toute façon recrutés s'ils en avaient besoin, et ça n'a aucun effet sur la baisse du chômage. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Je ne le crois pas. Vous vous souvenez qu'il y a deux, il y a cinq ans, j'avais défendu l'idée de deux emplois sans charge par entreprise, sans contrainte aucune. On n'a plus les moyens de faire ça. Les bêtises qui ont été faites depuis, les erreurs qui ont été faites font que la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui rend naturellement impossible d'avoir un projet finançable de cette ampleur. Mais je pense qu'il y a un problème spécifique pour les jeunes et pour les chômeurs. Et il y a un besoin spécifique des entreprises petites et toutes petites qu'on leur fasse passer la première marche de l'emploi. Il y a des magasins que je traverse où m'arrête le patron, la personne qui a ouvert le magasin, en disant « Ah, je vais pouvoir trouver quelqu'un qui m'aide. » Parce que, évidemment, pour eux, la marche entre l'emploi chargé au maximum et zéro emploi, c'est la marche la plus difficile à passer. Et donc, je pense qu'il y a là quelque chose d'utile et de jouable. Et de jouable. Ce matin, dans un grand journal national, il y avait un économiste qui étudiait sans indulgence les propositions qui sont les miennes. Et sur ce point-là, il disait, bon, ça va peut-être faire quelques centaines de milliers d'emplois. Eh bien, je trouve que quelques centaines de milliers d'emplois, ce n'est pas tout à fait rien. Vous l'avez chiffré d'ailleurs, vous-même, vous avez... Oui, je pense que c'est une mesure qui coûte autour de 2 milliards et que je finance par la suppression de la défiscalisation des heures supplémentaires. Si vous permettez, on va s'arrêter un instant à cette phrase parce que les gens ne comprennent pas toujours ce que ça veut dire. Les heures supplémentaires sont pour l'instant en France favorisées par deux dispositifs différents. Le premier est légitime, le second ne l'est pas. Le premier dispositif légitime, c'est qu'il y a une compensation des charges. Il y a même suppression des charges. Moi, l'engagement que j'ai pris, ce n'est pas la suppression. C'est l'idée que la prime versée aux salariés qui acceptent de faire une heure sup, de l'ordre de 25% du salaire, cette prime sera compensée par une baisse des charges du même montant. De sorte que l'heure normale et l'heure sup coûteront la même chose à l'employeur. Ça, pour moi, c'est légitime, ça donne de la souplesse à l'entreprise et ça permet aux salariés d'améliorer leur fin de mois de manière notable. Il y en a beaucoup qui le font. Ça, c'est légitime. Et je prends cet engagement-là. Mais il y a une chose qui est illégitime, c'est de dire l'argent qui revient à partir de ces heures sup, il ne paiera aucun impôt. Alors ça, ça ne va pas. Parce que vous avez deux voisins qui gagnent le même salaire. L'un et dans une entreprise où le cahier des charges est comme ça, et il paie l'impôt sur tout, l'autre gagne le même salaire avec des heures sup, et il ne paie pas d'impôt. Mais ça ne va pas, il y a une disparité, il y a une inégalité devant l'impôt qui ne va pas. Vous ne devez pas payer un impôt différent selon que votre entreprise se porte bien ou mal. Et donc, je suis pour la fiscalisation normale des heures sup, ça ne fera pas des différences très importantes dans ces niveaux de salaire. Hein. Et je suis en revanche pour compenser les charges. Et un Français sur deux ne paye pas d'impôts. Alors la question aussi, hier... Non, ce n'est pas vrai. On dit un Français sur deux ne paye pas d'impôts. Mais tous ces Français-là paient l'impôt indirect, oui, TVA. Tous ces Français-là paient la CSG. L'impôt sur le revenu. L'impôt sur le revenu. Cotisation, voilà. François Bayrou, hier, vous avez estimé être le candidat de la vérité en proposant un programme très rigoureux dans le sens positif du terme. Très honnête. Très honnête. Mais rigoureux, ce n'est pas forcément un terme négatif. Tout à fait précis dans le chiffrage. Alors justement, justement, il y a un sujet qui intéresse tout le monde, y compris et peut-être au premier rang les entrepreneurs, c'est les niches fiscales. Vous avez dit coup de rabot sur les niches fiscales. Est-ce que vous venez d'en supprimer une. D'en supprimer une. Voilà, 4 milliards supprimés. 2. 2 milliards. Parce que je, oui, c'est, oui la c'est ça, vous gardez les deux. Est-ce que vous pouvez nous préciser les autres niches fiscales qui sont dans votre viseur? Je pense par exemple à la rénovation qui intéresse, vous avez parlé du BTP tout à l'heure, toutes les PME du BTP. Je pense par exemple à la réduction de la TVA dans les restaurants et bien d'autres. Est-ce que vous pouvez c'est nous préciser? C'est un casse-tête
un labyrinthe dans lequel on ne peut pas se retrouver. Si on commence à vouloir trier niche par niche, vous n'y arriverez pas. Et donc, ce que j'ai proposé, c'est que par le plafonnement, on abaisse l'avantage de chacune des niches. Alors, il faut regarder comment, s'il y a des fluctuations, des modulations. Mais l'objectif que j'ai fixé, c'est que ces niches qui coûtent 80 milliards d'euros, je rappelle à ceux qui nous écoutent, étant le créateur et le seul membre de l'Association pour la défense du calcul mental toujours et partout, que 80 milliards, c'est 80 000 millions d'euros. 80 000 millions d'euros. Et donc, je pense qu'il faut là-dessus qu'on fixe que 20 milliards soient récupérés par la puissance publique, simplement par les abaissements de plafond ou par... ou par la réduction de l'avantage sans aller jusqu'à la suppression de cet avantage. Un abaissement égal, y compris dans le crédit impôt recherche, y compris dans tout. Non, les crédits impôt recherche, sûrement pas. Mais vous mettez de côté deux sortes de niches, celles que vous supprimez et celles auxquelles vous ne touchez pas. Le crédit impôt recherche est l'exemple même de ces niches, entre guillemets, auxquelles on ne touche pas. Et même, peut-être, on regardera si on peut le rendre plus efficace. Et toutes les autres niches, eh bien, vous faites en sorte que l'avantage apporté par ces niches soit réduit. Vous savez qu'on a fait beaucoup de niches qui, à mon sens, n'ont pas servi à grand-chose. Par exemple, Robien, la niche Robien. Tout le monde dit aujourd'hui, on a égaré les gens, on les a entraînés dans des investissements qui n'étaient pas judicieux, et on se retrouve avec des déséquilibres dans le logement très importants parce qu'on a construit là où il ne fallait pas et pas construit là où il fallait. Vous voyez, très souvent, ces niches-là, elles égarent. C'était mal calibré, mais ce n'était pas forcément insensé de vouloir soutenir la construction. Non, ce n'était pas du tout... Dites-vous ceci. Dieu sait que je critique assez souvent. Selon moi, à juste titre. Mais dites-vous ceci. Rarement, c'est fait à partir de mauvais sentiments. C'est toujours fait avec de bons sentiments. Avec l'idée que là, il y a un problème, alors on invente un dispositif particulier pour répondre au problème. Au bout du chemin, on se retrouve avec un labyrinthe, avec un endroit dans lequel vous ne pouvez pas retrouver l'itinéraire que vous cherchez. Alors vous avez un point commun, tous les candidats à la présidentielle, si je puis dire, c'est que vous êtes tous assez précis sur les impôts ou les taxes que vous voulez augmenter. Hein, dans votre cas, deux tranches de... sur l'impôt sur le revenu, un ou deux points de TVA, rabotage des niches fiscales, etc. Mais alors, vous êtes beaucoup plus flou sur les dépenses que vous voulez réduire. Vous dites, on a un objectif de déficit zéro dans 5 ans ou de réduction des dépenses, mais alors, quand on vous demande lesquelles, eh bien, c'est le grand flou. Que vous n'avez pas suivi le raisonnement que j'ai développé hier devant la presse. Si, pourtant, j'y étais, j'y suis. Vous étiez là. J'ai dit, il faut se servir de la marée. Comme les bateaux se servent de la marée pour se remettre à flot, comme les marins se servent de la marée pour remettre leur bateau à flot. Attendez, j'ai un truc qui sonne dans la poche, je vais le couper parce que ça me dérange. Bon, quelle est la marée pour l'économie et le budget? La marée, c'est l'inflation. La marée monte... Si vous réussissez à vous servir de la marée, vous remettez le bateau à flot. Alors, qu'est-ce que je dis? Je dis une chose très simple. Je dis, si nous respectons pendant 2 ans la règle suivante, on ne dépensera pas plus en 2013 et 2014 qu'on a dépensé en 2012. Si vous dites ça, l'inflation va vous apporter 25 milliards ou 27 milliards ou 28 milliards la première année, 27 ou 28 milliards la deuxième année, et vous êtes à flot en 2 ans. Alors, comme je suis prudent, que je sais qu'il peut arriver des accidents, que les taux d'intérêt peuvent bouger, je dis, OK, on aura un peu de souplesse, mais on peut être à flot. Déficit de la France supprimé en 3 ans. Vous ne trouvez pas que c'est précis, ça? Oui, mais vous savez très bien les dépenses de santé, les dépenses sociales progressent toujours plus vite que l'inflation. Ça dérive toujours. Et bien moi, je pense. Où est-ce que vous taillez dans les dépenses? Quelles autres dépenses que vous réduisez? Je n'ai pas la charge de la Sécu. La charge de la Sécu, elle est assumée par
les organisations sociales et par le Parlement qui vote tous les ans une loi. Je dis ça et je ne dis pas qu'il faut appliquer la même règle à la Sécu, aux collectivités locales et à l'État. Je dis qu'au total, au global, comme on dit sur aujourd'hui, les sur les trois, il ne faut pas dépenser plus. Mais par et exemple, vous savez, ce que je raconte là, non. Non, je ne pense pas qu'on puisse. Et je ne pense pas que ce soit bon. Alors, il faut faire attention, il faut modérer, mais il faut respirer dans un certain nombre de choses. Alors, je vais vous donner un exemple. Salaire des fonctionnaires. Si on doit bouger de, mettons, 2% le salaire des fonctionnaires, ça doit faire quelque chose de l'ordre de 4 milliards. Eh bien, vous cherchez des interventions de l'État qui sont moins justifiées pour un montant du même ordre. Vous prenez un engagement devant la nation qui est que pendant 2 ans, on ne dépensera pas plus. Et ceci pour sortir du surendettement. Tous ceux qui nous écoutent, ils savent bien qu'il y a autour d'eux des familles, des personnes qui sont au surendettement. Il n'y a rien de plus angoissant, il n'y a rien de plus déstabilisant pour l'avenir. Eh bien, pour un État, c'est la même chose que pour une famille. Il faut sortir du surendettement. Et le premier point de mon programme, c'est que la France sorte du surendettement, autrement, elle va exploser. Et tout le monde le sait ici. Vous le savez. Simplement, on ne le dit pas. Je veux dire, il y a plein de sujets sur lesquels on peut avoir des désaccords. Mais il y a un sujet sur lequel on ne peut pas en avoir, c'est que ça nous amène au gouffre. Eh bien, pour une fois qu'il y a un responsable politique qui dit « on va en sortir », au moins réfléchissons ensemble à cette discipline nécessaire pour que dans 5 ans, on n'en soit pas dans une situation plus inquiétante et pire que celle que nous avons aujourd'hui. Alors, François Bayrou, il y a un élément dans votre programme qui est tout à fait surprenant, c'est que vous parlez probablement à juste titre de guerre froide sociale. Dans les entreprises, le dialogue social ne fonctionne pas bien en France, on le sait. La réponse que vous apportez à ça, c'est la cogestion. Et vous y rajoutez une augmentation des prérogatives des comités d'entreprise qui pourront s'occuper notamment des salaires. Et vous y rajoutez aussi la présence dans les conseils d'administration des entreprises de plus de 500 salariés, des représentants des salariés avec droit de vote. C'est du Mélenchon. Excusez-moi, je crois qu'il faut que vous revoyiez votre histoire. Parce que Mélenchon, c'est le contraire. C'est la tradition de la gauche de confrontation, c'est de refuser le partage de responsabilités entre les organisations syndicales et le patronat. Bien, moi, je dis, un, je n'ai pas employé le mot de co-gestion parce que je suis prudent. J'ai dit, j'aime la co-gestion, mais je vais appeler ça co-responsabilité. Parce que co-gestion, le mot est dans votre programme. Oui, non, j'ai dit j'aime la co-gestion. C'est un pas vers la co-gestion. Comme vous savez, en Allemagne, c'est 50-50. Pourquoi ? Moi, je défends. C'est le résultat d'une longue histoire en Allemagne. Eh bien, commençons cette longue histoire. Mon affirmation est celle-ci. Les entreprises n'appartiennent pas qu'à leurs actionnaires. L'entreprise, ça n'est pas la chose de l'actionnaire. L'entreprise, c'est le produit de l'action, de l'investissement des actionnaires, ça appartient aux salariés et ça a même un lien avec le territoire sur lequel c'est installé. Eh bien, commençons ce chemin qui consiste à dire que dans les entreprises de plus de 500, les salariés ont quelque chose à dire sur la stratégie de l'entreprise. Ils doivent participer à la discussion. Et les comités d'entreprise, j'irai tout à l'heure au salon des comités d'entreprise, pour moi, ils peuvent être enrichis de cette prérogative de dire après tout, puisque c'est ici le lieu de l'information, puisque c'est ici le lieu de la consultation, pourquoi ce ne serait pas le lieu de la négociation en continu, souple, où l'on examine avec les représentants élus des salariés au conseil d'administration quelles sont les contraintes que l'entreprise rencontre, quels sont les choix qu'elle va devoir faire et de quelle manière les salariés peuvent y participer. Et en employant le verbe participer, je fais naturellement allusion à la participation qui me paraît une orientation moderne, contemporaine. Mais à l'arrivée, c'est peut-être pas Mélenchon, mais enfin, vous comptez donner plus de pouvoir au CE, plus de pouvoir aux syndicats, plus de pouvoir aux élus du personnel. Oui, je
Et je le fais avec la certitude que plus de responsabilité, ça veut dire moins d'irresponsabilité. Vous me suivez ? Plus de responsabilité, ça veut dire que vous allez devoir réfléchir en tant que responsable de l'avenir. Je ne sous-estime pas le fait qu'il y a un certain nombre de réflexes dans les organisations syndicales qui vont s'opposer à ça. Je connais très bien, j'ai été ministre de l'Éducation. Quand on connaît ministre de l'Éducation, c'est une formation accélérée à la vie syndicale française. Il y a un certain nombre d'organisations... Pas forcément dans ce qu'elle est de moi, j'ai trouvé que c'était enrichissant. Ouvert. J'ai trouvé que c'était enrichissant. J'ai plus souvent appris des choses réelles de la vie par les syndicats que par l'administration. Parce que l'administration, le réflexe, c'est j'ouvre le parapluie. Les syndicats, ils rapportaient, pas toujours, parce que faut savoir qu'il y a une partie de l'esprit des syndicats qui dit plus de moyens, c'est la réponse obligatoire. Mais je reviens au sujet. Il y a un certain nombre de réflexes syndicaux qui refusent la responsabilité, qui disent c'est pas notre boulot. Vous, vous êtes les patrons. Nous, on est du côté des syndiqués et notre boulot, c'est précisément de vous faire plier. Je pense que c'est une contestation de ces réflexes que je comprends. Hein. J'ai même écrit assez longuement sur ce sujet. Je pense que ce n'est pas illégitime, mais je pense que nous avons besoin d'aller vers une co-responsabilité. Avec peut-être plus de transparence dans les comités d'entreprise, mais ça, c'est pour votre visite et tout bien, à l'heure. Je vous signale que plus de transparence dans les comités d'entreprise, c'est une conséquence inéluctable de cette participation. De ce nouvel investissement en participation. François Bayrou, merci beaucoup d'avoir été l'invité du Salon des entrepreneurs. Merci pour ces précisions sur le contrat unique, sur la défiscalisation des heures supplémentaires. Et merci à mes confrères des Échos et du Parisien. Merci à vous. Merci. Merci.